De l'engagement, du spectacle, de l'adresse, le gardien de but au handball a un rôle majeur. Dernier rempart d'une équipe, il pèse lourd dans chaque victoire. Au billet handball, c'est le jeune Tarnais-Garonnais Joris Labro qui garde la cage. Formé à Toulouse, club de l'élite, ce jeune talent de 24 ans a réussi à s'imposer en Béarn. Quand on a du temps de jeu, ben du coup, ça veut dire qu'on a la confiance de tout le monde et après, il faut le rendre sur le terrain, quoi. On va faire l'arrêt, c'est bravo, mais si on ne fait pas l'arrêt, ça va être aussi très négatif. Donc, faut savoir gérer ça, avoir une bonne régularité, surtout dans ce poste-là, et, rassurer ses coéquipiers, mettre de la voix, montrer qu'on est présent. Depuis le début de la saison, Joris Labro est devenu un adversaire redouté pour les tireurs adverses, avec une moyenne de 10 arrêts par match. Il fait aujourd'hui partie des meilleurs gardiens de Pro League. Je suis grand, je suis un peu massif, donc il faut que je joue sur ça, sur mon envergure, sur mon placement. Nous les gardiens, on est un petit peu à part des joueurs, donc il faut se mettre dans sa bulle. C'est vachement de concentration et être prêt au moment venu, quoi. Secondé par Adrian Lombès, deuxième gardien, Joris Labro est encore un jeune joueur. Ce poste demande de l'expérience et les meilleurs ont tous plus de 30 ans. C'est un gardien qui a deux saisons de Pro League, qui a été plutôt assez régulier comme tous les jeunes joueurs, mais qui est bourré de qualité. Après, au-delà du handball, c'est aussi un homme que j'apprécie énormément parce qu'il est très très agréable. Il est studieux, il écoute, il est engagé, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un bon mec. Pour le match contre Strasbourg, ce vendredi, Joris Labro devra être au rendez-vous pour aider son équipe à l'emporter. Bière, 10e du classement, a besoin d'une victoire pour se rassurer dans la course au maintien en Pro League.